Hello, c'est bien content de vous retrouver dans toute nouvelle vidéo sur Minecraft. J'espère que vous êtes tous très très bien. Donc je vais juste rapprocher un peu le micro de ma bouche. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une magnifique vidéo où je vais vous apprendre en fait en quelque sorte. Je vais vous parler un petit peu par rapport à cette nouvelle mise à jour qui va arriver sur Minecraft. Donc comme vous le savez, la mise à jour aquatique arrive très très bientôt sur Minecraft. Donc d'après certaines, enfin normalement normalement voilà, officiellement elle va sortir cet été sur Minecraft, donc ouais, je n'ai pas la date. Ça se trouve hein, quand je tourne la vidéo elle sera déjà sortie, mais normalement je pense peut-être pas. En tout cas on verra. Donc du coup j'espère que vous êtes tous très très bien, moi je vais nickelement bien. Et aujourd'hui je voulais vous faire passer une petite nouvelle par rapport au mob qu'il va y avoir dans cette nouvelle mise à jour. Donc du coup comme vous le savez, il va y avoir des requins, des dauphins, des tortues, non je suis pas sûr, mais il va y avoir, en tout cas il va y avoir beaucoup de mobs dans le domaine de l'eau. Bah là, parce que c'est une mise à jour vraiment fondée sur l'aquatique, parce que là comme on peut voir, en fait l'eau est vraiment, c'est vraiment nul, tu vois, y a rien à faire. Genre voilà, là y'a rien à explorer, y'a rien à découvrir. Alors que bah après la mise à jour qui va arriver très bientôt, donc la mise à jour aquatique, et bah vous inquiétez pas qu'il va y avoir du très très lourd. Regardez, là regarde, je vais vous montrer, là c'est ça, c'est de l'eau, ça c'est un étang d'eau où il y a absolument rien à part des temples guardian et des fois des petits, les trucs bizarres là, les... Voilà ça là, les pieuvres qui donnent de l'encre. Voilà, y'a rien d'autre à part ça. Donc voilà, pour l'instant en tout cas c'est ça ce que ça va faire. D'ailleurs comment on fait spawn des pieuvres? Wow. En plus j'aime pas du tout. Eh mais j'ai une question, est-ce que les pieuvres ça peut se... ça peut s'accoupler? Et si oui, il faut leur donner quoi? Est-ce que ça s'accouple avec de l'encre? J'ai jamais essayé ça. Les amis dans les commentaires, dites-moi avec quoi ça s'accouple des pieuvres, parce que je sais pas du tout. Ça se trouve ça peut pas s'accoupler hein, mais je sais pas. Ouais, je pense que ça peut pas ça. Bon, on verra. Donc voilà, du coup, comme je vous disais, voilà, il va y avoir des nouveaux mobs comme des requins. Il va y avoir aussi une nouvelle arme, ça va être le trident. Donc j'espère vraiment que ça va être puissant cette arme-là. Et que bah ça fera cool. Et puis bah aussi ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir. On pourra nager dans l'eau. Et ça vraiment stylé, tu vois. On se mettra. En gros, on sera en train de nager, quoi. Vraiment. On sera vraiment en train de nager. Donc ça c'est stylé. Donc ça va arriver très bientôt sur console. Bon, sur PE et sur PC, c'est déjà sorti. Toujours une longueur d'avance sur les consoles, bien sûr. Mais voilà, sur nous, on attend toujours. Donc voilà, j'espère quand même qu'on va pas attendre trop longtemps, parce que je serai un petit peu deg hein, quand même d'attendre je sais pas combien de temps. Mais donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira, j'espère que la mise à jour aquatique vous plaira à tout le monde à peu près. What? What? Ils font quoi là les pieuvres? Oh non, hey, c'est horrible ces trucs là. Ah, c'est hardcore, je déteste ce mob. Bon du coup là, comme je l'ai dit voilà, par rapport au titre. Ah bah voilà, il commence enfin à... Voilà, donc du coup comme je disais, maintenant je vais vous montrer un petit peu une manière d'aménager, enfin je sais pas vraiment si ça va être possible sur Minecraft, mais ce serait énorme si on pouvait genre entrer dans un requin ou dans une dans un autre mob. Ce serait énorme, et moi je voulais vraiment savoir à quoi ça ressemblerait, genre si on vivait dans un requin. Imaginez-vous les amis qu'on vivrait dans un requin, quoi. Imaginez comment ça, genre on pouvait habiter dans un requin. Ce serait vraiment le bordel, ce serait vraiment stylé je trouve. Mais bon, je pense que ça va pas être possible, mais j'aimerais tellement. Ou qui, en tout cas qu'on puisse vivre, qu'on puisse entrer dans un mob, genre, ou faire un truc, genre pardon, dans une baleine. Une baleine, voilà, comme vous le savez, c'est un truc énorme. Et je sais pas s'il va y avoir dans la mise à jour aquatique, mais en tout cas si la baleine sort dans la mise à jour aquatique, j'espère qu'on pourra vraiment rentrer dedans et faire des trucs genre par exemple, je sais pas, qu'il y aurait des secrets dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais il y avait des baleines, si vous pensez qu'ils le feraient ou pas. Moi je pense qu'il y a moyen, mais je sais pas. Je sais pas. En sachant que ce serait une nouveauté, puisque du coup ça sera quelque chose que Mojang n'aura jamais fait. Et voilà, j'aime bien moi les nouveautés en tout cas perso. Donc ce sera à voir pour moi. J'espère vraiment, comme je l'ai dit, que ça y sera. Et voilà, donc on verra bien en tout cas si ça y sera. Donc voilà, donc moi je vais peut-être sortir de cette grotte et on va peut-être chercher quand même des petits indices sur cette nouvelle mise à jour qui va arriver sur Minecraft. Juste aussi désolé parce que ma manette elle bug beaucoup, je sais pas pourquoi ma manette elle commence à bugger. Les gars en fait je crois que je vais faire une commande de manette automatique, genre tous les deux mois faut que j'achète une nouvelle manette, parce que là à chaque fois ça me fait la même, donc je sais pas pourquoi. Genre vous voyez je commence à avancer et là ça me fait des trucs comme ça, tu sais, ça s'arrête d'avancer, ça se remet. Alors je sais pas c'est dû à quoi, si c'est parce que je joue trop peut-être. Non franchement je sais pas, mais je pense que c'est vraiment par ça hein. Je rigole même pas en disant ça. Mais bah voilà, je sais pas. Donc
Regardez, je vais juste vous montrer un petit truc par contre par rapport à la nouvelle mise à jour. J'espère juste une chose par rapport à cette nouvelle mise à jour. Ça va être tout simplement ce truc là. Les amis, ce truc là c'est tellement utile. Ça me fait kiffer. Regardez, je vais vous montrer un truc. Allez, je reviens, je vais juste couper la vidéo, j'arrive. Je vais juste vous montrer voilà mon truc préféré dans Minecraft, je crois. Si jamais je devais choisir un truc qui devrait rester sur Minecraft, je crois que c'est ça les gars. C'est tellement énorme ce truc là. Donc les amis, en dessous de ce bloc, en dessous de ces 4 blocs, il y a mon truc que je préfère sur Minecraft, je crois. Vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1. Voilà. Wow, oh my god, c'est incroyable. Voilà, vache. Oh mais là on peut dire clairement que j'ai vu. Oh ouais, c'est un truc de ouf. Ça c'est les amis, ça c'est le truc que je préfère dans Minecraft. Ça c'est tellement kiffant. Attendez, mais il m'a emmené ultra loin les gars. Attendez, faut que je retourne vendre au GT quoi. Oh non, c'est pour montrer l'explosion que ça fait ces bails là. Oh là la vache, comment j'ai volé les gars. C'était un truc de malade. Attendez, par contre faut que je retrouve où est-ce que j'étais. Peut-être vers là-bas. What? Bon, je crois que j'ai été téléporté beaucoup trop loin par rapport à où j'étais de base, donc voilà. On va quand même. Je comprends toujours pas comment on peut faire un bail comme ça. C'est énorme. Imaginez vous envoler d'aussi loin comme ça. Les amis, dites-moi les commentaires si vous connaissiez ce truc-là. Moi parce que je kiffe ce truc-là. C'est un truc voilà, ultra kiffant. Je kiffe faire ça. Bon les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain les amis, il va peut-être y avoir un nouveau troll sur la chaîne. Je sais pas encore. Donc venez bientôt sur la chaîne demain les amis, ça va être un gros troll comme d'hab, vous connaissez, mais voilà, je suis pas encore très sûr, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais quand même vous laisser avec une vidéo assez bizarre quand même. Parce que là du coup ça se fait pas trop, tu vois, si je jouais sur une vidéo comme ça. Je vais vous montrer un youtubeur Minecraft espagnol en fait, qui a tout simplement... Vous voyez le titre de la vidéo, et ben en fait voilà, j'ai découvert en fait qu'un youtubeur a... Il y avait un youtubeur, comment il s'appelle, espagnol, et il avait fait un truc assez bizarre. Sur, sur Minecraft quoi. Et en fait j'avais je me suis... Waouh. Ah d'accord. Ok. Et ben en tout cas en fait il y avait un youtubeur espagnol qui avait fait une vidéo sur Minecraft. Et genre il avait fait dans la vidéo comment vivre dans un requin. Et du coup je me suis posé la question, mais comment il a fait? Et pour moi c'est un gros fake. Alors je sais que pour l'instant c'est pas officiel hein, ça se trouve c'est pour de vrai. Mais c'est tellement fait d'une manière que j'y crois même pas. Alors maintenant dites-moi les commentaires si vous y croyez. Moi je vous dire clairement que j'y crois pas. Vous mettez F dans les commentaires si vous pensez que c'est du fake. Et vous mettez PF si vous pensez pas que c'est du fake justement. Donc s'il vous plaît faites moi ça dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude vous savez maintenant. Et sur ce les amis, bah moi je vais m'amuser avec mes minecarts en TNT. Et je vous dis bah vous savez quoi, attendez on va refaire. Je reprends la vidéo dès qu'on envole, à tout de suite. Les amis, vous êtes prêts pour le plus gros décollage au monde? 3, 2, 1, let's go. What? Ah ouais d'accord, ça a même pas explosé tellement qu'il y en avait. What the fuck, regardez-moi ça les gars. Wouah. Non mais... Ma play il a bugué. Ah ouais les gars, je crois ma play il a bugué tellement qu'il y avait de train. Bon voilà, sur ce je vous souhaite à tous, bah voilà, je vous souhaite à tous un très bon visage et je vous dis à tout à l'heure. Donc les amis, en dessous de ce bloc, en dessous de ces 4 blocs, il y a mon truc que je préfère sur Minecraft, je crois. Vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1... Voilà. Oh my god, c'est incroyable. Voilà, vache. Oh mais là on peut dire clairement que j'ai vu. Oh ouais, c'est un truc de ouf. Ça c'est les amis, ça c'est le truc que je préfère dans Minecraft. Ça c'est tellement kiffant. Attendez, mais il m'a emmené ultra loin les gars. Attendez, faut que je retourne vendre au GT quoi. Oh non, c'est pour montrer l'explosion que ça fait ces bails là. Oh là la vache, comment j'ai volé les gars. C'était un truc de malade. Attendez, par contre faut que je retrouve où est-ce que j'étais. Peut-être vers là-bas. What? Bon, je crois que j'ai été téléporté beaucoup trop loin par rapport à où j'étais de base, donc voilà. On va quand même... Je comprends toujours pas comment on peut faire un bail comme ça. C'est énorme. Imaginez vous envoler d'aussi loin comme ça. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce truc-là. Moi parce que je kiffe ce truc-là. C'est un truc voilà, ultra kiffant. Je kiffe faire ça. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain les amis, il va peut-être y avoir un nouveau troll sur la chaîne, je sais pas encore. Donc venez bientôt sur la chaîne demain les amis, ça va être un gros troll comme d'hab, vous connaissez, mais voilà, je suis pas encore très sûr. Voilà.
sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais quand même vous laisser avec une vidéo assez bizarre quand même. Vous vous êtes...